Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce matin, une innovation très utile avec le retour du froid. On a mis au point un nouveau type de vitrage pour éviter les pertes de chaleur. Des fenêtres liquides qui chauffe grâce à la lumière du soleil. Oui, oui, oui elle chauffe parce qu'on a remplacé l'air du double vitrage par un liquide antigène qui va euh, s'échauffer avec l'énergie du soleil. Bah, du coup, en hiver, on y aura, sera un petit peu moins glacial à côté de la fenêtre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, autour de 15% de la chaleur d'une maison s'échappe par les fenêtres. C'est encore pire dans les bureaux quand on a des baies vitrées. Mais grâce à ce système, eh bien, on pourrait gagner jusqu'à 10 degrés en hiver, rien qu'avec la lumière du soleil. Donc, on pourra faire des belles économies de chauffage. 10 degrés en hiver, donc, ça, ça va devenir un en été. Non, non, heureusement, il hein, y a aussi un mode tropical, comme on l'appelle. Hein. <laughs> on va faire circuler le liquide euh, pour jouer au maximum le rôle d'isolant et empêcher la chaleur de s'accumuler. Mmh. Ça va permettre aussi d'emmener la chaleur vers d'autres pièces qui pourraient en avoir besoin et même chauffer l'eau de la douche, par exemple. Donc c'est un véritable système de régulation de température et c'est une technologie espagnole qui a été baptisée Water Flower Glazing avec l'accent avec l'accent mais pas l'accent espagnol euh, on imagine mal euh, l'utiliser pour de la rénovation là ce sera plutôt pour de nouvelles constructions oui, oui, oui c'est vrai hein. puisqu'il faut prévoir tout un réseau pour faire circuler le liquide des fenêtres donc c'est un système qui devrait surtout euh, intéresser les immeubles de bureaux ou les grandes surfaces vous avez les grandes, grandes façades de magasins là qui sont très difficiles à chauffer et d'ailleurs il y a une première installation tout en verre qui est actuellement testée à Sofia en Bulgarie